Nous saluons tout le monde qui est chez nous sous TAC 509, puis comment on a la coupe en mais journal la sous TAC 509. Dernièrement, nous te parlons d'une personnalité dans le pouvoir américain, qui c'est président Joe Biden, qui fait élu 46e président des États-Unis. Jeudi, nous parlons de vice-président qui c'est Kamala Harris, groupe autorique femme ça, qui t'a accompagné président Joe Biden dans l'élection 3 novembre 2020. Kamala Harris, il était procureur du district de 2004 à 2011, il était procureur général de la Californie de 2011 à 2017, et avant, il était présenté tête comme candidat pour poste président, il était participé dans la primaire dans le Parti démocrate à contre Joe Biden, et bien, dans le moment ça, il était sénatrice depuis 2017. Et on a tout profité du tout que Kamala Harris pourrait faire histoire en tant que femme dans la politique américaine, parce que gagne pile poste Kamala Harris li élu pour yo, c'est première femme qui élu dans poste ça yo. Tantôt c'est première femme qui élu dans poste ça yo comme femme, tantôt tout c'est première femme qui élu dans poste ça yo comme monde qui noir ou bien monde de couleur. Et ben m'a invité nous suivre ensemble avec pendant tout déroulement journal là, qui est Kamala Harris té. N'a pris un petit pause, n'a pris tourner tout à l'heure. Kamala Devi Harris, ou Kamala Harris, fête 20 octobre 1964. Li gen 56 ans. Li se yon politicienne américaine, li se tou yon avocate, et puis tou yon juriste. Kounya li se vice-président élu dans pays États-Unis dans l'élection 3 novembre 2020 yo, côté li te représenté Parti démocrate là avec président Joe Biden. Papa li c'est un Américain qui sorti Jamaïque. Papa li te professeur, li te enseigné dans l'université Stanford aux États-Unis. Papa le fait 23 novembre 1936, il a 82 ans, jusqu'à présent, papa Kamala Harris a vécu toujours. Maman li relé Shyamala Gopalan, n'a pas excusé pour prononciation, li mouri dans l'année 2009, 11 février 2009, maman c'est une américaine qui sorti dans pays aide, maman était un diplomate et puis elle était une chercheuse, elle a fait un pile recherche sur le cancer du sein. Elle a travaillé dans Berkeley Lab, qui est dans l'État Californie. Famille a eu deux petites filles. Kamala Harris a un petit sœur qui relait Maya Harris. À cause gros problème ségrégation raciale qui était gagné aux États-Unis dans l'époque il était 12 ans, famille a quitté États-Unis, il a arrêté Montréal. C'est là Kamala Harris li fait plus fort année dans lycée. À 21 ans, Kamala Harris gradué dans Howard University et University of California, Hastings College of the Law. C'est là qu'elle a étudié droit. Elle commence sa carrière dans Alameda County, qui est dans California, District Attorney's Office, qui c'est bureau du procureur. À 25 ans, elle prend diplôme ni comme docteur en droit ou bien Juris Doctor. Avant, elle était recrutée dans San Francisco District Attorney's. À 40 ans, il vient procureur dans San Francisco. C'est première femme noire qui occupe poste ça. En 2010, il est arrivé venir procureur général de la Californie. Elle était présentée comme candidate dans l'élection présidentielle 2020. Il a critiqué l'empile sur le résultat de elle était procureur général pour l'État dans l'État Californie. Il a dit qu'il est un démocrate dans le sang. Il a adopté une série politique conservateur sur lutte contre la criminalité. Il n'a pas fait assez pour lutter contre la violence la police qu'on a fait sur le monde. Il défend tête, il dit qu'il était en pile pour faire réforme dans la prison et puis tout pour police traiter moun yo pi bien. Dans l'année 2016, Kamala Harris est élue sénatrice pour l'État Californie. Elle est première américaine d'origine indienne qui est élue sénatrice et elle est deuxième femme afro-américaine qui arrivait le poste ça. N'a pas changé moins dit nous déjà Kamala Harris, elle étudie droit, elle est doctorat en droit, elle était procureur du district 2004-2011 et elle était procureur général de la Californie. Ça veut dire son monde qui est habitué avec domaine ça, domaine droit, domaine avocat. Eh bien, les Kamala Harris arrivait dans le Sénat américain, Kamala Harris fait remarquer lui avec interrogatoire raide, coup qui penchèche qu'on a fait, les a auditionné quelques fonctionnaires de l'État dans le Congrès américain. Les poser question dit et toujours voulu pour bali réponse et li remet ting ting yo tout et nous pas besoin dire qui problème moun qui fait partie administration Trump là qu'on a passé en bas mais madame ça peut-être ça n'a pas invité suivre un extrait with any written documents be they your calendar written correspondence emails notes of any sort. I attempted to refresh my recollection but so much of this is in a wholesale campaign of extraordinary nature that you're moving so fast that you don't keep notes. You meet people. I didn't keep notes of my conversation with the Russian ambassador at the Republican convention. To just talk about what you did. You know, I'm just saying I didn't keep notes on most of these things, and there's nothing for me. Will you provide this committee with the notes that you did maintain? As appropriate, I will supply the committee with documents. Can you please tell me what you mean when you say appropriate? I would have to consult with lawyers in the department who know the proper procedure before disclosing documents that are held within the Department of Justice. Attorney General, I'm not able to make that opinion today. Sir, I'm sure you prepared for this hearing today, and most of the questions that have been presented to you were predictable. So my question to you is, did you then review with the lawyers of your department, if you as the top lawyer are unaware, what the law is regarding what you can share with us and what you cannot share with us, what is privileged and what is not? Lycée yon femme politisyen ki défend en pile droit pour moun kajite petite, nous connaissons cause ça fait en pile parler dans pays États-Unis côté chaque état ou bagaille ça yon jan. Li défend tout droit pour moun fumer marijuana pour cause médicale, lutter contre changement climatique, réforme loi sous armes à feu, couverture maladie universelle et puis loi sous réforme immigration. Ça veut dire nous guettons déjà Kamala Harris pas jamais capable marcher avec Donald Trump dans tout droit ça nous Kamala Harris a défendre là, c'est le contraire de tout ça Donald Trump lui-même l'y défend. Il a annoncé candidature pour élection présidentielle 2020 au 21 janvier 2019 pendant une journée où était fait dans mémoire Martin Luther King Jr. Il était en face Biden dans l'élection primaire dans parti démocrate là après presque un an il campé campagne à cause d'y pas gagner assez d'argent. 8 mars 2020 il a approuvé candidature Joe Biden pour poste président pour diriger pays les États-Unis. Et Joe Biden lui-même n'était venu choisir comme vice-président pour diriger pays les États-Unis ensemble avec lui. Pendant l'été sénatrice, Kamala Harris était toujours à défendre sa qui faible. En 2020, il rejoint le manifestant Black Lives Matter et il tape travail pour caguer loi sous réforme dans la police. Une question pile moun a posé, est-ce que Kamala Harris li gen petit? Non, Kamala Harris li pa ko gen petit. Kamala Harris te genye yon relation extra-conjugale avec yon magistrat San Francisco qui c'est premier noir qui rive dans tête fonction ça qui est Willie Brown qui gen 86 ans. Gen pile moun qui te critiqué Kamala Harris pour relation ça. Relation extra-conjugale, ça veut dire c'est deux monde qui gagne une relation en dehors du mariage. Willie Brown gagne madame ni et puis Kamala Harris lui-même il t'a font petit coup avec elle. Mais gagne un pile monde qui dit que Kamala Harris t'est rentré dans relation ça, c'est pour être capable joindre des avantages politiques parce que Willie Brown depuis que Kamala Harris t'est avec Willie Brown, il était propulsé politiquement. Après quelques temps, relation ça t'est venu craser. Mais dans moment on parle avec nous là, durant un certain temps, Kamala Harris il gagne Maril Creley Douglas Emhoff qui sont gros avocats qui gagne deux petits. Petite ça yo considéré Kamala Harris comme maman yo, yo gen ti non jouet yo ba Kamala Harris ki le maman la. Kon sa yo rele li, juste pour capable faire senti li gen deux petites, li son maman pour yo. Comme nous connaissons, la t'est passé déjà depuis 7 novembre 2020, eh bien Joe Biden est président des États-Unis et Kamala Harris lui-même est élue comme vice-président des États-Unis. À 55 ans, elle est une première femme couleur qui vient vice-présidente dans pays États-Unis et elle est la première femme qui arrive dans poste ça tout. Ça qui arrive par une autre femme qui arrive dans poste vice-présidente dans pays États-Unis. Avant de quitter nous, je vais lire un discours Kamala Harris a fait, elle était montée stage avec le président élu Joe Biden, disons 7 novembre, dans Wilmington, Delaware. Je dis nous c'est là, Joe Biden lui-même est représenté pendant toute ville comme sénateur zone ça. Kamala Harris, elle te monte pour te battre discours là, mais ça te dit, I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities, and to the children of our country, regardless of our gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourself in a way that others may not simply, because they have never seen it before. Eh bien, ça dit dans le discours ça, m'a traduit la créole pour nous. Il dit, moins capable, première fille qui remplit fonction ça, fonction premier ministre ou bien vice-présidente, mais moins pas dernière. Parce que chaque petite fille qui a gardé à Souéa, qui a gardé ma Souéa, n'a pris nous compte que nous vivons dans un pays qui offre en pile possibilités. Et à tout petit monde qui en dans pays ça, quel que soit sexe, pays noir, li voyons un message qui clair, qui veut dire rêver avec ambition, gouverner avec conviction, li dit garder tête tout long façon que l'autre yo pas gado parce que yo pas jamais moins ça encore. Eh bien, c'est là m'a campé avec discours ça que Kamala Harris a fait le 7 novembre étant dit avec Joe Biden. Et t'as t'a crié victoire yo, yo il ça victory speech, ça veut dire un discours de victoire. Eh bien, il était dit parole Samson Dinoa qui c'est une parole qui vraiment fait chéder pour lever sous l'opta des gens de Paul Sao. Ça nous capable dit en résumé sur Kamala Harris, c'est une femme qui a un bel parcours professionnel et puis son femme tout qui manquait histoire américaine et politique américaine, parce que grand pile bagaille que Kamala Harris arrivé réaliser, c'est lui-même comme première femme qui fait et c'est lui-même tout comme première femme de couleur qui fait. On a souhaité Kamala Harris bonne chance ensemble avec Joe Biden, nous avons dit pour collaborer ensemble pour œuvrer pour démocratie qu'a jailli dans pays États-Unis. Nous nous connaissons grand pile en pile bagaille qui gagne pour faire pour capable rendre la vie moun yo pi bien dans pays États-Unis. Nous pensons Joe Biden à Kamala Harris, nous pensons tous les deux moun sa yo qui des professionnels du droit et tous les deux moun sa yo qui ont passé qui glorieux dans politique, nous pensons moun sa yo yo pral faire de grandes choses, yo pral prendre de grandes décisions pour les États-Unis. Nous souhaitons bonne chance Joe Biden and Kamala Harris. Joe Biden and Kamala Harris, we wish you good luck and God bless America. Et puis avant nous aller, sous ta remède, nous t'a parlé de Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre qui était responsable communication campagne Joe Biden, eh bien elle c'est une haïtienne, une américaine d'origine haïtienne. Actuellement là, Karine Jean-Pierre, yo nommé li directrice cabinet vice-présidente Kamala Harris. Il gagne 43 ans. Karine Jean-Pierre fait Fort-de-France en Martinique par des parents d'origine haïtienne. Eh bien si vous t'a aimé nous parler qui est Karine Jean-Pierre lié, eh bien m'a invite aller dans commentaire yo, dis-nous ça, depuis nous grand pile commentaire pour nous capable parler de Karine Jean-Pierre qui est lié, pour nous parler de Karine Jean-Pierre qui c'est directrice cabinet vice-présidente américaine Kamala Harris, les mêmes qui s'est fait par nous, qui c'est un haïtien pensant pile monde dans mes connaît qui est lié. N'a dit nous merci parce que vous t'es chita suivre ensemble avec nous taxe 609 côté nous t'a parlé qui est Kamala Harris, tout monde qui remet histoire pour tout élève l'école, étudiant, moun ka fait recherche, moi c'est toute information ça a utile nous parce que c'est audio lié, n'a pas mettez cassou dans oreille nous et puis n'a pas des informations nous pas fait trop effort pour n'a li, nous bien n'a fait yeux nous fait nous mal. M'a dit nous merci en pile et m'a dit nous tout information ça on ba nous yo, c'est pas moi qui viens avec information ça yo, c'est prendre sur Wikipédia, moi faire recherche là pour ou même qui pas gain temps, moi faire pour capable joindre information ça au plus rapide. N'a dit partager vidéo pour l'autre monde capable brûler parce que ça qui est intéressant pour nous c'est leur partager vidéo. N'a dit merci en pile, c'était serviteur Marshall et puis à la prochaine et puis m'a dit nous tout mesdames haïtiennes, femmes haïtiennes yo, étudiez, mettez bête sur nous pour nous capables venir directrice cabinet vice-présidente même gens avec Karine Jean-Pierre ou bien ou pas jamais connaît nous capables yon Kamala Harris. Merci beaucoup, à la prochaine. Toujours été branché Taxe 609.